allons terminer, je dirais, non pas la prudence, parce qu'on en reparlera, mais plutôt l'objet de la prudence. Comment est-ce qu'elle s'exerce dans la vie morale? Et en abordant, je dirais, le sujet ultime, le sujet qui est le plus difficile à aborder, parce que vous allez voir, il pose plein de controverses. Je veux dire par là le rapport qu'il y a entre la théorie et la pratique, si on peut dire. La théorie, ça veut dire, par exemple, si on est chrétien, ce qu'on appelle les décrets du magistère, les décrets du magistère infaillibles et universels, qui disent, par exemple, en morale, la guerre est un mal. Et puis, après, la pratique, ça veut dire, concrètement, dans une situation de vie, eh bien, est-ce qu'il y a des fois où, malgré qu'elle soit un mal, on est bien obligé de faire la guerre? Donc, voyez, c'est véritablement difficile parce que, comment je dirais, les intégristes, on pourrait dire ça comme ça, les intégristes ont tendance actuellement à exalter la partie magistère universel uniquement. Et donc, par exemple, ils vont dire, ils vont pas le dire sur la guerre parce que c'est un mauvais exemple, mais ils vont le dire sur n'importe quel autre sujet. Prenons l'avortement, si vous voulez, on prendra cet exemple-là. Ils diront dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même grossesse extra-utérine, l'avortement est un péché mortel. En fait, l'avortement est un mal, mais grossesse extra-utérine, on voit bien qu'il y a un problème, parce que ça va tuer la mère et l'enfant. Et d'un autre côté, à l'inverse, vous avez ce qu'on appelle les progressistes, qui ont tendance à être tellement pasteurs de terrain que ils arrivent à dire qu'il faut comprendre toutes les situations et que quoi qu'il arrive, je dirais par exemple, prenons l'avortement, elle était dans la détresse, il n'y avait pas assez de revenus, vous comprenez, vous comprenez. Et donc ils vont avoir tendance à ne jamais regarder le magistère universel qui explique ce que c'est que l'avortement. Alors nous, ce que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui, c'est le rapport entre les deux, justement. Et donc vous allez voir, Sandra, que c'est un sujet extrêmement concret et qui pose des tas de questions chez tous les chrétiens sans arrêt, lorsqu'ils sont confrontés à la vie. Alors justement, concernant l'avortement, moi je me souviens d'une affaire qui date d'il y a quelques années. Donc une petite fille, hein, parce qu'à cet âge-là, on peut pas parler de jeune fille, une petite fille de 9 ans qui avait été en Amérique du Sud, qui avait été violée par son beau-père, et qui était tombée enceinte, certainement, parce que physiquement, elle était peut-être précoce. Et sa mère l'avait amenée donc subir un avortement, parce que bon, un corps de petite fille n'est pas fait pour supporter une grossesse. Et le bloc du lieu avait voulu excommunier la maman, la petite fille et le médecin. Alors en fait, il a pas excommunié la maman, la petite fille et le médecin, mais il a rappelé que la maman et le médecin étaient ipso facto excommuniés. Ipso facto, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de prononcer une excommunication. Ça veut dire que pour l'Église catholique, un avortement, lorsque l'enfant est viable et qu'il n'y a pas mort de la mère, eh bien provoque ipso facto, il n'y a pas mort de la mère, je vais expliquer ce que je veux dire, provoque ipso facto ce qu'on appelle l'athée sentencié, une excommunication. Mais évidemment, la petite fille n'était pas comprise là-dedans. C'était les médias qui avaient rapporté ça. Et si vous voulez, Sandra, justement, ça va être un très bon exemple de prendre cet exemple-là et de le régler ensemble, de voir un petit peu comment est-ce que, justement, dans le domaine moral, eh bien, on gère une chose comme ça. Et donc, si vous voulez, ce que je pourrais d'abord dire, puisqu'on va prendre cet exemple-là, c'est le principe universel, ça veut dire quelle est la position de l'Église sur l'avortement. Si vous êtes d'accord. Regardez, pour donner la théorie, voilà. Pour juger prudentiellement d'un acte concret comme celui-là, je crois qu'il faut regarder trois choses. Mais ces trois choses-là ne vont faire qu'éclairer la conscience morale sur le terrain, la décision finale qu'on va être obligé de prendre, qui est concrètement face aux circonstances. La première chose, c'est ce qu'on appelle les principes universels. Alors, pour le sujet de l'avortement, voilà le principe universel de l'Église. Elle est convaincue, l'Église catholique, que Dieu crée l'âme du petit enfant à la conception. C'est le pape Jean-Paul II qui a défini ça dans un document qui s'appelle Donum Vitae, numéro 5. L'âme de l'enfant est créée dès la conception. Il ne précise pas si c'est une seconde après, si c'est une heure après, etc. Mais en gros, dès la conception. Et du coup, le principe universel de l'Église, c'est de dire qu'elle regarde l'avortement, tout avortement, quel qu'il soit, indépendamment des circonstances, comme la mort d'un enfant dont l'âme est propulsée dans l'autre monde, dans le shéol, on pourrait dire. Et là, qu'est-ce qu'il devient? L'Église ne sait pas trop.
Elle n'a pas de définition dogmatique pour savoir ce que deviennent les petits-enfants. Mais voilà, la doctrine universelle. Donc voyez, valable quelles que soient les circonstances, donc un bébé conçu, ça peut être une fausse couche par exemple. Donc dans ce cas-là, l'Église va dire aux mamans qui font une fausse couche, c'est-à-dire quelque chose de pas volontaire, priez pour le baptême de votre enfant, demandez à Dieu de l'accueillir, etc. Voilà sa foi universelle. Bon, ça c'est ce que je vous disais, Sandra. C'est quelque chose qu'on partage en commun avec, par exemple, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, puisque c'est quelque chose de dogmatique. Maintenant, abordons le deuxième niveau. La casuistique, c'est-à-dire les cas concrets. Est-ce qu'il y aurait, malgré tout, des cas où on est obligé d'être pour l'avortement? Et alors, moi, je recevais l'autre jour des emails, par exemple, sur un forum, et quelqu'un de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui me disait « Vous dites qu'en cas de grossesse extra-utérine, on peut avorter. Vous êtes un criminel. » Et là, je ne savais pas quoi répondre. Vous voyez, j'étais les bras qui m'en tombaient. Une grossesse extra-utérine, voyez, Sandra, ce que ça fait, ça fait que la mère et l'enfant vont mourir, c'est certain. C'est-à-dire que ça éclate le ventre d'une maman. On sait bien ce qui se passait il y a un siècle, on ne savait pas opérer. Tous les deux mouraient. Donc, dans ce cas-là, quelle est, à votre avis, l'évidence de l'acte qu'il faut poser? Je ne sais pas ce que vous feriez si ça vous arrivait. L'enfant et la mère. Là, dans ce cas-là, il peut pas. Il va y avoir deux morts. Dans l'autre cas, il n'y en a qu'un seul. En fait. Voilà, c'est ça. Et donc, en conséquence, évidemment que dans ce cas-là, l'Église, elle est pour l'avortement. Et on ne peut pas faire autrement. Puisque de toute façon, l'enfant va mourir. Il n'est pas au bon endroit. Il ne se développe pas au bon endroit. Alors on opère, on enlève les trompes de Fallope, on enlève un des ovaires, et puis la maman pourra avoir d'autres enfants avec l'autre ovaire. Ce qui n'empêche que appuyé sur le principe universel, le numéro 1, la maman va prier pour que le bébé soit baptisé dans l'autre monde. Mais on a sauvé la maman. Donc c'est évident, le principe universel ne suffisait pas. Il y avait cette circonstance-là. Alors maintenant, prenons le cas que vous aviez raconté tout à l'heure. Le cas donc de cette petite fille de 12 ans en Amérique du Sud. Donc l'histoire exacte, la voilà. Donc les parents divorcent et la maman vit avec un beau-père. Et le beau-père viole la petite fille. Enfin, on peut dire, c'est de l'inceste. Hein. Elle tombe enceinte, le papa la récupère, l'emmène chez un gynécologue. Et le gynécologue dit, bon, c'est une grossesse à risque, mais on va suivre, ça devrait se passer, etc. Le couple est très conflictuel. Hein. Le papa est catholique, la maman est très en conflit. Lorsque la petite fille va en visite chez le papa, chez la maman, pardon, elle l'emmène droit chez un autre gynécologue qui l'a fait avorter. Voilà, donc cette histoire est connue dans les médias, je crois que c'est le Mexique, et fait tout un scandale. Et à ce moment-là, l'évêque rappelle que, puisqu'il n'y avait pas, voyez, mort, c'est-à-dire mort, comme dans la grossesse extra-utérine, ça veut dire que la grossesse pouvait être suivie, peut-être qu'ils auraient provoqué l'accouchement à 7 mois, etc. Eh bien, ipso facto, le droit canon dit, le médecin et la maman, pas l'enfant, l'enfant lui, ben, sont excommuniés. Et l'excommunication est pardonnée par une confession. Le prêtre a le pouvoir de lever l'excommunication. Bon, alors la question qui se pose, c'est dans ce cas-là, voilà, qu'est-ce qu'à votre avis, il aurait pu être souhaitable de faire? Moi, vous donnez des éléments dont moi, en tant que simple auditrice de journaux télévisés, simple téléspectatrice ou auditrice d'informations, je n'avais pas eu connaissance. Voilà, tout à fait. Les choses avaient été durcies, évidemment, par les médias. Bon, ça, c'est leur façon de faire, on sait bien. Mais dans les circonstances en question, je dirais que l'Église, elle est dans sa logique. C'est-à-dire que c'est vrai que le petit bébé, il existe. Et donc, si on peut sauver les deux, s'il n'y a pas de danger de mort immédiate pour la maman, même si, évidemment, il faudra veiller, c'est une petite fille, etc., eh bien, l'Église, elle veut sauver les deux. Donc on voit comme c'est logique. Évidemment, des personnes qui ne sont pas chrétiennes diront « mais c'est abominable, la petite fille, son corps, son avenir, etc. » Donc c'est une perspective vraiment chrétienne, pour le coup. Il faut avoir cette foi absolue dans le fait que deux petits êtres humains existent et donc que cette petite fille va retrouver, sa grand-mère aussi va retrouver le bébé dans l'autre monde. Comme disait le Monseigneur Léonard, qui les accueillera pour leur pardonner. Parce qu'il n'y a pas du tout de condamnation de l'autre côté. On comprend de l'autre côté parfaitement les hésitations de cette terre. Mais là, en tout cas, l'Église dira, dans ce cas-là,
pas d'avortement. On trouve une autre solution. On fait accoucher plus tôt. On donne l'enfant à adopter s'il le faut, si la petite fille ne peut pas l'assumer. Et l'idéal, évidemment, c'est si on peut assumer, c'est quand même une partie de l'enfant de sa chair, que le grand-père donc prenne en main, etc. Donc voilà, en gros, ce qu'elle dirait dans ce cas-là. Ça va? Ça va. Et d'ailleurs, je crois que, par contre, à l'occasion de cette affaire, le Vatican, lui, avait parlé de miséricorde. Absolument. Ça veut dire que, je dirais que, y a, de côté de Dieu, il n'y a absolument aucune condamnation, il y a juste le fait objectif que va reprendre le principe universel, c'est que le petit bébé, ben, on l'a envoyé dans l'autre monde alors qu'on aurait peut-être pu le sauver. Mais en tout cas, voyez comme c'est pas du tout la même façon de traiter ça que chez les intégristes. Ça veut dire que là, effectivement, il y a un cas particulier, mais ce cas particulier, il peut sauver les deux. Dans le cas d'une grossesse extra-utérine, il n'y a même pas à hésiter. On n'est pas fou. Je veux dire, l'avortement est obligatoire, évidemment, dans ce cas-là. On n'a pas de technique pour le moment pour sauver les deux. Alors maintenant, je voudrais raconter un cas particulier, mais particulier vraiment, c'est-à-dire que j'arrive maintenant au degré de la réalité. Un cas particulier, c'est celui de Sainte Jeanne Mola Beretta. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une femme italienne morte en 1962. Elle est sainte, elle est canonisée maintenant. Non, ça me dit quelque chose. Voilà, alors je vous raconte son histoire. Absolument. Une femme médecin, donc sans illusion sur sa maladie, d'à peu près 30 ans, qui a déjà 3 enfants, 6, 5 et 3 ans, qui a un mari extraordinaire, ils sont en Italie, ils sont profondément catholiques, elle tombe enceinte et il découvre, juste après la découverte de sa grossesse, un cancer de l'utérus qui se développe. Et donc évidemment, pour le soigner, il faut provoquer un avortement volontaire. Et elle décide d'attendre longtemps, c'est-à-dire d'attendre quasiment 8 mois, c'est-à-dire que le bébé soit viable, pour accoucher de manière prématurée peut-être, mais pour commencer son soin du cancer après. Et évidemment, c'est trop tard, le cancer s'est répandu partout, elle va mourir de son cancer. Mais attention, elle ne le fait pas n'importe comment. Avant de prendre cette décision, elle en parle à son mari, elle en parle à l'enfant qui est le plus grand, etc. Et tous sont dans une perspective comme ça et disent, tu nous protégeras du ciel, donc tous ont une foi extraordinairement profonde. Donc tous participent, sauf peut-être les tout-petits. Et la petite fille qui est née de ça, qui s'appelle Jeanne Emmanuelle, a assisté à la canonisation de sa mère dans les années, je crois que c'est par Jean-Paul II, hein, dans les années 2000, par là. Alors, dites-moi, Sandra, est-ce que vous pensez que la décision de Jeanne Beretta Mola est une décision qu'il faut placer au niveau d'un principe universel, c'est-à-dire que toute maman qui a un cancer et qui ne peut pas se faire soigner sans avorter doit faire comme Jeanne Mola Beretta? De répondre sans être dans cette situation-là. Donc, a priori, d'après ce que je comprends, ils ont tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire de dire peut-être que la mère pourra être sauvée en étant soignée après la grossesse. Ah oui, ça, ils l'espéraient vraiment. Et c'est pas arrivé. Je pense qu'ils ont tenté le coup, je pense. Ils ont tenté de sauver les deux. Voilà. Mais en attendant, certainement un miracle. Et ils avaient le droit de faire ça parce que véritablement, il y avait un papa pour s'occuper des enfants et ils avaient une foi profondément solide. Eh bien, en fait, moi je répondrais pour ma part que le cas de Jeanne Mola Beretta est un cas qui est montré comme exemple, mais qu'il n'est pas du tout, aux yeux de l'Église, un principe universel. Ça veut dire que si je donne une autre circonstance, imaginons que cette maman, elle vit en Afrique, qu'il n'y a pas de papa, il est parti, la famille est déstructurée complètement, que si elle meurt, ses enfants mourront, qu'elle a une possibilité d'être soignée, eh bien dans ce cas-là, je dirais, eh bien elle peut choisir de sauver sa vie, c'est vie contre vie. Il y a une vie, il y a une autre vie, et là c'est la décision prudentielle en fonction des circonstances. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une anecdote qui va vous montrer que je ne dis pas que c'est la décision en question, mais que j'ai entendu d'une femme africaine. Ça se passait quand le pape est allé en Afrique, il y a quelque temps, le pape Benoît XVI, et il avait dit dans l'avion, la fidélité, etc., le préservatif, il avait parlé de ça. Et ils interrogent au niveau de la télévision belge une Africaine qui était là et qui disait « Moi, je suis obligée de me prostituer sans préservatif. » Et les journalistes disaient « Mais comment ça se fait sans préservatif? Vous allez mourir !» Et la femme répondait « Oui, mais si je ne le fais pas, alors que ces hommes qui viennent d'ailleurs d'Occident
ne veulent pas de préservatif et payent très cher pour ne pas avoir de préservatif, sinon ils ne vont pas avec moi, mes enfants mourront maintenant. Et donc, quitte à mourir dans 10 ans du sida, je choisis cela. Je ne veux pas dire par là que elle, cette femme-là, fait le bien ça serait autre chose, mais dans une circonstance comme cela, eh bien, elle choisit ce qu'elle estime être le moindre mal. Personne n'appellera ça le bien, tout le monde souhaiterait qu'elle ne se prostitue pas. Et qu'elle meure jamais, qu'elle meure pas 10 ans plus tard, qu'elle meure de sa vieillesse. Mais dans la circonstance, sa conscience est obligée de choisir. Et sa conscience, elle est évidemment éclairée par des principes universels. Elle sait très bien que la prostitution, c'est pas bien aux yeux de Dieu, etc. Et pourtant, elle est bien obligée de le faire. Donc, dans le cas de Jeanne Beretta Mola, c'est pareil. C'est un exemple montré ce vers quoi on peut tendre dans l'idéal, mais qui ne consiste pas à être appliqué à toutes les femmes. Ça dépend des circonstances. Elle est dans une circonstance bonne, je dirais, Jeanne Beretta Mola. Elle a vraiment un homme qui va suivre derrière les enfants. Ça va? Vous voyez un petit peu le rapport qu'il y a entre le principe universel et la pratique générale, la pratique concrète sur le terrain? C'est une question de circonstances et finalement de cas particuliers. Oui, mais pas comme le font les progressistes. C'est-à-dire, eux, ils disent qu'il n'y a que les circonstances. Non, non. C'est éclairé par le principe universel, à savoir que le bébé, il a son âme, donc on ne peut pas avorter. Mais on ne se contente pas du principe universel comme si il allait tout résoudre. C'est pas vrai. On sait très bien que, comme le dit l'Église, sur le terrain, illuminé par ce principe universel, par les cas qu'on a pu réfléchir au cours de sa vie, etc., on va prendre une décision en conscience. Aucun cas universel ne peut régler une décision de terrain. Et si vous voulez, je voudrais vous raconter une histoire là qui va peut-être vraiment faire réfléchir nos auditeurs, parce que c'est une histoire qui montre, je crois, comment est-ce que parfois les circonstances particulières font exploser à la fois les degrés théoriques, je dirais, le degré universel, la casuistique dont je parlais, etc., la réflexion sur des cas. C'est une histoire que j'ai trouvée dans un livre écrit par un officier français qui est revenu de la campagne de Russie avec Napoléon. Cet officier, il est revenu de Moscou, il a franchi la Bérézina et il raconte une scène qui est absolument terrible, qu'il a observée. Donc il voit arriver, du côté russe, une femme, magnifique femme, avec une fourrure, et dans la fourrure, son petit bébé qu'elle portait contre elle. Il faisait très froid déjà, on ne peut pas dire qu'il gelait, la Bérézina n'était pas entièrement prise par les glaces. Hein. Certains soldats français avaient d'ailleurs fabriqué un ponton, mais ils sont morts de maladie un peu plus tard, ces soldats-là, il faisait quand même très froid. Et alors qu'elle arrive près du pont, voilà qu'une balle tirée par des Cosaques la frappe, casse sa jambe et tue son cheval sous elle. Et elle tombe sous son cheval. Elle a la jambe coincée, la jambe qui est saine qui est tombée du côté du cheval. Donc elle saigne abondamment, il y a un jet visiblement, il y a une artère qui a dû être coupée. Et voilà ce qu'il a observé de loin, alors que personne ne pouvait lui venir en aide parce que les Cosaques arrivaient, on savait ce qu'ils faisaient aux femmes, etc. Elle prend une espèce de ruban, elle attache et elle se fait un garrot à sa jambe. Elle arrête comme ça le sang. Elle avait le petit bébé contre elle, elle l'embrasse, elle pleure et elle l'étrangle de ses mains. Elle l'étrangle, ce petit bébé. Puis ensuite, une fois qu'elle l'a fait, elle détache le lacet et le sang s'en va et elle meurt. Elle meurt d'hémorragie comme cela. Ensuite, il dit qu'il a vu les Cosaques s'approcher du corps. Et là, ils ont fait subir à l'enfant un traitement. Ils se sont passés. Enfin, vous imaginez ce qui peut se passer. Il y a même eu, paraît-il, viol sur la mère, etc. Donc, il assiste à cette scène-là. Regardez, Sandra, quand on applique maintenant les principes universels froidement, comme cela, on pourrait dire, jugement, cette femme va aller en enfer. Elle a tué un enfant innocent. Elle l'a tué. Alors que c'est quelque chose qui provoque une excommunication, on ne peut jamais considérer que tuer un enfant innocent, c'est bien. Cependant, si vous vous mettez dans cette situation-là, qu'auriez-vous fait, Sandra, vous ? Voilà, question difficile. Oui. Déjà, si on revient au contexte de l'époque, je pense que ces soldats ennemis qui arrivaient et qui ont... violé la mère qui venait de mourir et qui ont joué avec le corps du petit bébé, je pense que
corps responsable de différents massacres et tortures dont les gens avaient pu avoir connaissance. Donc, elle serait restée en vie, son bébé serait resté en vie. Il y a tout lieu de penser que le bébé serait de toute façon mort, mais en souffrant davantage qu'en étant étranglé. Certainement, je pense que ce serait peut-être un nouvel de coupe en morceaux, enfin, je imagine. Et elle, il aurait fait souffrir jusqu'à ce qu'elle meure de toute façon de son hémorragie. Absolument. Et c'est pourquoi... Je pense qu'elle a voulu éviter des souffrances à son enfant qui serait mort de toute manière. Exactement, je pense que vous comprenez tout à fait. Et donc personne, personne, pas même nous, ne peut la condamner. Et Dieu, de l'autre côté, qui est bon alors que nous, nous sommes méchants, eh bien il ne peut pas l'avoir condamnée, c'est évident. Et pourtant, il y a le principe universel qui est là. Eh bien voilà, cet exemple typique montre comment je viens de faire, de montrer comment sur le terrain, la conscience seule peut, à la lumière des principes universels, agir. Cette femme-là, quand elle est arrivée de l'autre côté, elle n'a pas dit à Jésus « j'ai agi très bien, il fallait tuer mon enfant ». Non, non, elle a dit « j'ai fait ce que j'ai pu, le moindre mal. C'était mal, mais je ne pouvais pas faire autrement. » Voilà. Et là, vraiment, je pense que, vous voyez, quand on prend des exemples concrets, on a véritablement l'explication de cette manière dont l'Église parle. Alors, pour ce qui est de l'Église, justement, vous savez, l'Église, elle donne dans son magistère avec le pape que des principes universels pour une raison simple. C'est que si elle commence à parler comme on le fait entre nous, ici à la radio, en donnant des cas particuliers, aussitôt les journalistes ils s'emparent de la parole du pape et ils disent « Regardez, le pape change sa doctrine. Il vient d'autoriser de tuer un enfant. » Mais pas du tout. Le pape n'a pas autorisé, s'il prenait l'exemple de la petite femme, la jeune femme à la Bérésina, il n'a pas autorisé à tuer son enfant. C'est un mal. Mais il a dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Eh bien, exactement de la même façon, prenez l'histoire du préservatif. Le pape donne sur son avion la doctrine universelle, l'Église appelle à la fidélité, un seul homme, une seule femme, et dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas le sida, puisqu'il y a la fidélité. Puis après, comme il y a un scandale énorme fait en France particulièrement, il reprend la parole un peu plus tard et il dit « Mais évidemment, une prostituée, par exemple, qui, eh bien, elle doit le faire avec un préservatif. » Et aussitôt, les médias français s'en emparent en disant « Regardez, Benoît XVI, sous la pression du scandale, vient de changer la position de l'Église. » Mais pas du tout, il n'a pas changé la position de l'Église. Il a simplement donné une application pastorale en fonction du terrain, ce qu'on pourrait appeler le niveau 2, c'est-à-dire la casuistique dans le cas d'une prostituée. Personne ne dit que c'est bien de se prostituer, mais il est évident qu'elle ne va pas ajouter le mal au mal. Donc elle va porter un préservatif. Il ne s'agit pas de communiquer la mort. Et alors, comme les médias ne comprennent pas, ben le pape, il laisse les pasteurs de terrain parler de ces sujets-là et c'est tout. Voilà, un petit peu. Alors... Je me rappelle au sujet de cette affaire, certains médias ont pu dire « Mais surtout pas dire ça dans des pays d'Afrique, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe dans ce pays, ils ne peuvent pas comprendre qu'il ne faut pas utiliser de préservatifs. » Et je crois que, je ne sais plus quel pays, un représentant d'un pays africain, avait dit, mais est-ce qu'on nous prend plus bête que ce qu'on est ? Ah oui, je me rappelle, absolument, je me rappelle. On est tout à fait capable de comprendre les notions d'abstinence et de non-utilisation du préservatif. Absolument. Parce que la fidélité à sa femme, à son mari, etc. Ah oui, tout à fait, ça c'était bien vu de la part de... Je me rappelle cette affaire-là. Alors, si vous voulez, Sandra, est-ce que vous voudriez qu'on prenne d'autres exemples, histoire de bien montrer, de bien planter le clou par rapport à cela? Donc, ce rapport, si je résume, hein, parce que à chaque fois c'est comme ça, entre des principes universels abstraits, mais qui sont véritablement une lumière de la conscience, comme par exemple, tu ne tueras pas un homme. Tu ne tueras pas un homme innocent. Le vrai principe est là. Hein. Ensuite, deuxième niveau, des cas concrets qu'on donne, par exemple, tu n'avorteras pas, ça c'est principe universel, mais dans le cas d'une grossesse extra-utérine, donc un cas général, on est obligé d'avorter, parce que les deux vont mourir. Troisième cas, le cas particulier, c'est-à-dire on prend des exemples concrets, et la conscience est claire, ce niveau-là, la conscience en fonction des circonstances. Donc si vous voulez, j'aimerais prendre un exemple avec maintenant justement l'homicide, le fait de tuer un homme. Oui,
Alors voilà, Sandra, donc je voudrais, si vous le voulez, prendre maintenant, et toujours avec vous comme témoin, et en espérant qu'il y aura des auditeurs, le cas de l'homicide, c'est-à-dire le fait de tuer un homme. Bon, on va le traiter à ces trois niveaux que j'ai indiqués, hein. Premier niveau, universel, c'est-à-dire un principe universel que même l'Église proclame infailliblement. Quand je dis universel, ça veut dire que ça ne tient pas compte des cas particuliers, ça regarde une loi en soi. Tu ne tueras pas. Ce qui veut dire que, universellement, tuer un homme est un mal. Je n'ai pas dit que c'était un péché, ça dépend des fois, mais c'est un mal. Ça veut dire que c'est pas bien, un homme n'est pas fait pour être tué. Voilà. Ça, là-dessus, je pense que, dit abstraitement comme ça, c'est au niveau de Miss France. C'est-à-dire, on imagine très bien Miss France dire « Je n'aime pas la guerre, je suis pour la paix et je veux pas qu'on tue les hommes. » Bon. Deuxième étape. J'applique ça maintenant à des cas particuliers. Et ça, l'Église le fait, par exemple, dans son catéchisme de l'Église catholique, elle dit ceci, il y a le cas particulier des criminels. Alors, quand elle sort la première version du catéchisme, je crois que c'est en 92 ou 82, je ne sais plus, elle dit juste ceci, l'Église reconnaît aux États la possibilité, dans certains cas, d'appliquer la peine de mort. Parce que, étant donné ce que c'est que l'être humain, etc., etc. Et puis voilà que 2 ans plus tard, elle modifie cet article du catéchisme en disant exactement la même chose au début. Donc l'Église reconnaît, dans certains cas, la possibilité aux États d'appliquer la peine de mort. Et puis elle ajoute ceci. Dans les pays où l'État est solide, comme les pays occidentaux, il n'y a plus de cas où la peine de mort doit être appliquée. On peut appliquer à la place la vraie prison à vie. Ça veut dire qu'elle dit que là, vraiment, quand l'État est stable, il y a mieux que la peine de mort. Mieux parce que ça va, par exemple, dans la perspective chrétienne, permettre peut-être aux criminels de s'amender, de vieillir en prison, de réfléchir. Pour l'Église, il y a certains criminels qu'on ne doit jamais relâcher, hein. Elle pense, par exemple, à certains pervers sexuels qui ne se guériront pas, qui ont assassiné et violé. Eh bien, pour elle, c'est une vraie prison à vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas question naïvement de croire que tout homme change. Non, non, du tout. Il faut protéger les victimes, hein. L'Église le dit textuellement. Mais enfin, on voit que appliquée au niveau des cas, elle a déjà une distinction. Voilà. Et maintenant, j'arrive au concret. Au concret. Ça veut dire que je voudrais vous raconter, Sandra, une histoire qui est assez horrible et qui va être jugée dans un mois, le 27 novembre 2012, à Paris, aux Assises. C'est une histoire qui, à l'époque, elle a eu lieu en 2005, a fait beaucoup de bruit. Alors voilà ce qui s'est passé. L'armée française avait été envoyée en Côte d'Ivoire pour une opération de maintien de la paix. On avait peur à l'époque que la Côte d'Ivoire, qui est tout près du Rwanda, connaisse un génocide, un peu à la manière du Rwanda. Et donc le président de l'époque, c'était je crois Jacques Chirac, envoie une opération avec, mettons, 4000 hommes. Ça suffit, hein, l'armée française est très très bonne, très très douée, donc elle peut arrêter avec 4000 hommes la guerre dans un pays comme cela. Et donc pour maintenir la paix. Et voilà qu'ils apprennent qu'il y a ce qu'on appelle un coureur de brousse. Un coureur de brousse, c'est-à-dire un type qui est avec une bande et qui va de village en village et qui fiche la pagaille là-bas. Un coureur de brousse qui a été arrêté de nombreuses fois et qui, comment dirais-je, est signalé. Donc le colonel, il s'appelle le colonel Éric Burgot, délègue un adjudant-chef, l'adjudant-chef Guy Rogel, avec son petit corps, là, sa troupe. Il le repère, il tire de loin, il le blesse. À la jambe, ils tombent, ils vont le chercher avec leur véhicule et ils téléphonent à ce moment-là à son colonel en disant « Voilà, on le tient. Il s'appelle Firmin Mahé, on le tient. » Et le colonel lui répond « Rentrez, mais rentrez doucement, lentement. Vous voyez ce que je veux dire ?» Donc il voit très bien ce qu'il veut dire, hein. Donc l'adjudant-chef Guy Rogel. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans le véhicule blindé d'avant, il prend un sac en plastique et il l'étouffe avec le sac en plastique. Il le tue. Arrivé à la base, évidemment le médecin militaire, c'est un médecin civil je crois, se rend compte tout de suite qu'il n'est pas mort d'hémorragie, qu'il est mort étouffé, et commence à faire du raffut, à dire il y a eu un assassinat, etc., c'est un crime de guerre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça remonte jusqu'au général Poncet, qui était responsable de l'affaire, et qui décide de couvrir son homme. Donc il dit rien, il camoufle les choses, seulement le médecin rentre en France et commence à refaire du ramdam. Ça remonte à la ministre, qui s'appelle Michèle Alliot-Marie à l'époque, et qui décide de rappeler tous ces hommes-là. L'adjudant-chef Guy Rogel est mis en prison, il est resté 2 ans. Le colonel
est mis en examen, il va être jugé, là, donc le 27. Le général Henri Poncet est mis à la retraite d'office. Alors, ce que je voudrais vous demander, Sandra, c'est vous, ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place, avec uniquement les données que je vous ai données pour le moment, hein, mais à la place de cet adjudant-chef Guy Rogel, est-ce que vous auriez obéi aux ordres informels? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est comme ça que se défend l'adjudant-chef. Voilà, et bon, c'est déjà, voilà, il n'a pas, d'après ce que je comprends, il n'a pas reçu cet ordre clair de l'exécuter. Donc, ça veut dire qu'il a tué un homme blessé qui était maîtrisé. Alors, est-ce que par rapport à ce que vous avez dit ici, l'état, donc dans les états qui sont stables, on doit supprimer la peine de mort et mettre en place la prison à vie. Est-ce que dans des pays beaucoup plus instables, comme certains pays africains, est-ce que, effectivement, si la prison à vie n'est pas applicable et que cet homme certainement, alors là, je n'ai pas de détails, est-ce qu'il commettait des meurtres? Ah, ça, justement, je ne vous donne pas ces détails-là, je vais les donner après. Vous allez voir à quel point ça change tout. Quand je vais vous donner la fin de l'histoire. Parce que si c'est un meurtrier, qu'il est soigné en hôpital militaire, parce que je crois que c'était leur destination, hein, l'hôpital militaire. Oui, absolument. Qu'il arrive soit à s'évader, soit que finalement il n'est pas condamné par son état et qu'il continue à faire des monstres, c'est peut-être dans cette optique-là qu'il a été exécuté, mais encore une fois, j'ai l'impression que l'ordre n'était pas clair. Tout à fait. Sauf qu'entre eux, ils savent très bien, évidemment, les ordres pas clairs, ce qu'ils veulent dire. Hein. Parce que c'est sur le terrain. Ce sont des hommes de terrain, on peut dire. Et là, on a véritablement l'opposition entre des hommes de terrain confrontés à des situations immédiates et puis la ministre qui, elle, est une femme de principe. Elle n'est pas de terrain. Donc elle voit simplement qu'il y a des règles d'engagement, donc que vous citez très très bien. On peut désobéir à un ordre qui est illégal. C'est là-dessus d'ailleurs que le procureur accusera certainement le colonel Burgot et puis, comment dirais-je, l'adjudant Guy Rogel. Donc au niveau théorique, on peut dire qu'ils sont condamnés d'avance. Seulement ça se juge aux assises. Assises, ça veut dire que c'est des gens comme vous et moi qui allons juger de leur cas. Et donc ce qui serait intéressant maintenant, c'est que je vous raconte la suite, que je ne vous ai pas racontée exprès. Ça veut dire que là, tel que je vous ai raconté l'histoire, vous dites, ben non, c'est quand même un assassinat avec un sac en plastique d'un homme qui est blessé, ça ne va pas. Et maintenant, regardez qui est ce fameux Firmin Mahé. Firmin Mahé, quand on dit que c'est un coureur de route, ça veut dire qu'il a une bande de malfrats qui passe de village en village. Donc lui, il pille, il chauffe les pieds des gens pour avoir leur argent, mais il s'avère aussi que c'est un pervers sexuel. Ça veut dire qu'il a, apparemment, d'après les informations que j'ai, il a tué, après avoir violé, plusieurs jeunes filles, des bergères et des filles de village, des filles adolescentes hein, de 15-16 ans. Au point que les gens, partout dans la région, sans arrêt, faisaient appel à l'armée française. Il les a assassinés cruellement. Il avait été arrêté 4 fois avant. Et à chaque fois par l'armée française ou par la police de Côte d'Ivoire, qu'il l'avait mis en prison. Et comme là-bas, évidemment, il n'y a pas d'État, 4 fois il s'était enfui, il avait reconstitué sa bande, et il y avait eu des morts à chaque fois. 2 jeunes filles la première fois, une autre, etc. Bon, voyez, c'est pas n'importe qui, c'est pas simplement un petit voleur de brousse, hein. C'est un assassin violeur. L'adjudant chef Guy Rogel le sait très bien, ainsi que le colonel Burgot. Et là, dites-moi ce que vous en pensez de l'ordre qu'il a donné le colonel Burgot par rapport à cette circonstance particulière que je vous indique. Alors là, maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que les 5
qui ont arrêté Firmin Mahé, pourquoi ils l'ont simplement blessé, pourquoi ils ne l'ont pas tué directement dans ce cas-là. Et voilà, tout à fait. De le faire, et finalement, ils n'ont fait que le blesser. Ensuite, l'adjudant-chef a contacté son colonel pour savoir quoi faire. Et au final, il étouffe avec un sac en plastique. Je veux dire, j'ai pratiqué le sport de combat. Pour mettre un sac en plastique sur la tête de quelqu'un et l'étouffer, il va avoir des pattes. Il va, enfin, je veux dire, tout à fait. Alors, ce sont des militaires, eux, il n'y a pas de chichi, ils savent ce que c'est leur métier. Donc, voyez, ça, il l'a fait sans aucune émotion, c'est leur métier. Par contre, c'est le choix de son acte. Le choix de son acte. Eh bien, je vais vous dire, moi, ce que j'aurais fait, Sarah, Sandra, mais simplement, je vais peut-être vous scandaliser. Hein. Dans les circonstances, j'ai eu une fois une élève, une de mes élèves, qui a été assassinée dans les mêmes circonstances. Une petite Kimberley. Il y a 9 ans de ça, qui a été attrapé par un type qui l'a violé, qui l'a torturé, qui l'a noyé dans une mare du côté de Charleroi. Je veux dire, il y a eu une marche blanche, ça a été des milliers de personnes qui sont déplacées, etc. Quand on voit qu'il s'est 4 fois enfui, qu'ils sont incapables de le garder, qu'à chaque fois une jeune fille à la peau noire, mais c'est une jeune fille, exactement les mêmes que chez nous, a été assassinée dans les mêmes circonstances. Moi, personnellement, dans un cas comme ça, puisque je sais qu'on ne peut pas le rapatrier en France, si on peut le rapatrier en France et le juger en France, le mettre en prison, ah, tout de suite, je le rapatrie. Mais c'est pas possible, il est ivoirien. Donc n'importe quel juge le fait sortir tout de suite et il se retrouve libre en France. Et bien dans ce cas-là, peut-être avec plus de ruse que l'adjudant-chef Guy Rogel, mais je pense que je n'aurais jamais accepté qu'il puisse ne serait-ce que recommencer une fois à tuer une jeune fille. Jamais. C'est pas possible. Et donc vraiment, comme une décision, un mâle, je l'admets, un mâle, c'est un mâle. Je pense que je l'aurais tué. Peut-être plus intelligemment, comme vous dites, ça veut dire, je sais pas, le faire s'enfuir et le faire comme ils savent faire, les militaires, pas avec un sac en plastique. Mais jamais, jamais, je ne pourrais accepter que cette personne qui a déjà plein de morts derrière elle puisse recommencer une seule fois, de prendre le risque même de cela. Ça veut dire que si ce que je dis est vrai, voyez, parce que je ne sais pas. Moi, j'ai lu ça sur Internet de la part des militaires qui disaient qui était ce Firmin Mahé. Je pense que la cour d'assises de Paris, eh bien, elle ne condamnera pas l'adjudant-chef Guy Rogel. Je pense. Parce que ce sont des hommes comme vous et moi et que là, effectivement, on est face à une évidence morale et on se fiche pas mal du principe universel. On sauve des vies innocentes futures. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette position vous scandalise ou est-ce qu'elle vous paraît cohérente? Non, tout à fait. Moi, ce que je, voilà, que maintenant que j'ai un peu plus d'éléments, ce que je ne comprends pas, c'est la manière. Tout à fait. Ça s'est passé. Donc on peut dire qu'ils se sont fait prendre, qu'ils ont été maladroits. Bon, c'est une faute de, je pourrais dire, technique, mais que sur le terrain, au niveau de l'action elle-même, personnellement, si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, je dirais que Michèle Alliot-Marie, en les traînant dans la justice, eh bien, elle est au niveau des principes universels exaltés. Ça veut dire qu'elle est une intelligence pure, mais qui n'a pas de main, qui n'est pas sur le terrain. Donc on retombe bien sur l'opposition que je vous ai indiquée tout à l'heure entre les principes universels qui ne peuvent pas suffire. L'Église a toujours dit, sur le terrain, votre conscience est éclairée par les principes universels. Dans le cas en question, tuer un homme est un mal, mais on ne peut pas faire autrement. 4 fois, ça suffit. Est-ce que c'est un péché mortel, c'est-à-dire quelque chose qui va déplaire à Dieu? Je pense qu'on ne peut même pas juger au niveau moral. Je pense qu'en conscience, on doit pouvoir s'expliquer lorsqu'on arrive au jugement dernier, en disant « Moi, je ne pouvais pas supporter qu'il y ait un innocent de mise à mort, et je pense que c'est logique, c'est cohérent. » Voilà, mais c'est l'un des grades les plus forts des sous-officiers, donc c'est un homme qui sait gérer des hommes. Mais en quelque sorte, entre guillemets, j'espère que je ne suis choquée aucun militaire, un petit gradé,
Oui, tout à fait. Le colonel, c'est un officier, lui, donc il a de la réflexion philosophique. L'adjudant-chef, on voit bien qu'il ne sait pas se défendre. C'est un homme simple. Sa défense sur son blog, il a un blog, ça consiste à dire « j'ai obéi à un ordre ». Voilà, donc lui, il se réfère, il dit « voilà, j'ai reçu un ordre de plus haut ». Et on voit le colonel qui agit de la même manière vis-à-vis de son général. Absolument. Et là, c'est dommage. Parce que, à moins que, effectivement, ce Justin Mahé, ce Firmin Mahé, pardon, soit pas un grand criminel comme je le pense. Si c'est le cas, si c'était juste un voleur, ça ne se justifie pas, ils seront condamnés. Mais si vraiment c'est un violeur assassin de jeunes filles, il devrait se défendre en disant « on était sur le terrain, on a pris les bonnes décisions ». En tout cas, vous avez vu, le général Henri Poncet, lui, il a couvert ses hommes. C'est un homme donc qui est un général, il a une formation à Saint-Cyr, hein, de toutes ces discussions morales, il les a sur le terrain. Ils sont pas, faut pas croire que les généraux sont uniquement dans des principes universels, théoriques. Ils discutent de cas concrets de terrain puisqu'ils savent qu'ils y sont confrontés. S'il a couvert ses hommes, je pense, c'est que peut-être il méritait d'être couvert. Je pense pas qu'un général de ce niveau-là aurait couvert un véritable assassinat d'un innocent. D'ailleurs, on le voit bien, quand des soldats français violent, ça arrive, hein, il y a eu des viols, ce sont des hommes, hein, ils doivent être encadrés par des sous-officiers, des officiers, ils sont condamnés par la justice militaire. Aucun général ne couvre un viol. Alors, moi, j'ai un autre cas, des situations qui peuvent se présenter aux militaires, quel que soit le pays. Donc, c'est un militaire français qui m'avait raconté ça. Donc dans certains pays, les pays pas en démocratie, hein, comme nous, qui utilisent donc les milices utilisent des enfants, donc des enfants qui seraient porteurs de bombes, des enfants qui sont là pour attirer les soldats français ou occidentaux dans des guet-apens, et il leur arrive hein, donc c'est un militaire d'un corps d'armée très dur. Hein. Il leur était arrivé de tuer des enfants justement dans ce cas-là, parce qu'il y avait un danger. Les enfants étaient utilisés comme tueurs ou comme armes. Ah oui, tout à fait. Et voilà, c'est typiquement aussi une situation de terrain. Ça veut dire qu'en soi, abstraitement, on ne peut pas tuer un enfant. Mais de fait, ils sont bien plus courageux que les hommes parce qu'ils n'ont pas peur de la mort, ils ne la voient pas, ils n'ont pas l'imagination de la mort. Un homme de 40 ans n'est plus un très bon militaire parce qu'il sait ce que c'est. Et donc ils sont extrêmement dangereux, effectivement. Voilà, personne, aucun principe universel ne pourra résoudre ça. C'est pour ça qu'il faut bien se dire que la prudence dont on parle maintenant, c'est pas quelque chose qui fonctionne avec que des théories. Eh bien c'est pareil pour l'Église catholique. Il y a la prudence qui est éclairée par les principes universels de l'Église et sur le terrain, un homme doit être un homme prudent, qui sait prendre dans les circonstances. J'aimerais pour ce cas-là, si Sandra, si vous avez, êtes d'accord, si vous avez réglé ce cas-là suffisamment, voir un dernier exemple, éventuellement, c'est celui justement du génocide au Rwanda. Donc, ça va? Vous n'avez pas d'autres points à traiter sur ces sujets-là? On a à peu près tout dit, je crois. Hein oui, c'est vrai que j'aurais aimé avoir quelques réactions de nos auditeurs qui doivent être... peut-être certains assez choqués de propos que nous tenons, mais effectivement, il y a le principe universel qui est de ne pas tuer, et qu'il faut respecter au maximum, et puis il y a des cas où effectivement, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, justement, en attendant, en espérant que quelqu'un... Mais s'il n'y a pas de réaction, c'est peut-être que ça ne choque pas du tout, parce qu'en fait, c'est tout à fait cohérent ce qu'on dit. Je pense que ça choque surtout des personnes qui vivent dans uniquement des principes universels. Des personnes de terrain savent très bien que c'est comme ça, que c'est comme vous dites. Alors, parlons de la guerre. Voilà, la guerre, en soi, donc niveau 1, principe universel, est un mal. Vous verrez dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est dit textuellement, l'horreur de la guerre, l'esclavage de la guerre. Je ne veux pas dire que la guerre est un péché mortel, ça c'est encore une confusion que font certains théologiens. Elle est un mal, elle est le pire des maux qu'on puisse imaginer. Mais, de fait, niveau numéro 2, donc niveau des casuistiques, il y a des fois où la guerre est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, l'Église le reconnaît encore dans son catéchisme, voyez qu'elle a du bon sens, elle dit « Puisqu'on n'a pas d'instance internationale actuellement, capable d'empêcher la guerre au niveau mondial, par exemple une police de l'ONU,
avec une police armée qui, dès qu'il y a une guerre qui commence, vient s'interposer, agit, comme l'a fait la France, par exemple, dans l'opération au Côte d'Ivoire, dont je parlais juste avant. Puisque la guerre, la servitude de la guerre, n'est pas empêchée actuellement, eh bien l'Église reconnaît que dans certains cas, on est obligé de faire la guerre. Donc je reprends. La guerre est un mal en soi. Quelqu'un qui dirait que la guerre est un bien, ça ne peut pas se tenir. Et pourtant, je vous assure, Sandra, j'entends des tas de théologiens qui disent « Mais non, la guerre est forcément quelque chose qui peut être bon, puisque sinon l'Église l'interdirait. Elle interdit tous les péchés. » Alors justement, confusion entre un mal, qui peut être un mal objectivement, parce qu'on massacre des jeunes ennemis allemands, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont 18 ans, qui seront avec nous au paradis, qui n'ont rien fait pour être là, qui sont simplement soldats ennemis. Donc elle est un mal en soi. Mais elle... Le catéchisme parle d'éviter la guerre. Absolument. Ça intéresse nos auditeurs. Dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est à partir de l'article 2307. Et ça veut dire que l'Église considère que on doit tout faire pour l'éviter, parce qu'il y a de moindres mal. Là, on pourrait dire même que la guerre, c'est le stade ultime, quand tout a échoué, à savoir la diplomatie, évidemment. Donc quand la guerre se déclenche, alors prenons un cas particulier, si vous voulez, où la guerre, je ne vois pas comment on peut faire autrement. C'est la guerre chimiquement pure, si on peut dire, au niveau moral. C'est la Seconde Guerre mondiale. Je ne parlerai même pas de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, je dirais qu'on peut prendre les Belges pour taper sur les Français, pour taper sur les... Enfin, vous voyez, tout le monde est bête à l'époque. Il y a une espèce presque de rêve de la guerre qui reste encore à cette époque-là, en tout cas chez les familles de bourgeois, parce qu'on se souvient des batailles napoléoniennes où il y a de la gloire, il y a des beaux uniformes. Donc finalement, est-ce que les Allemands étaient coupables? Pas plus que les Français. Il y avait des jeux d'alliance, mais enfin bon, c'est pas une guerre facile à régler. Par contre, la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler la démarre, il est évident qu'on ne peut pas faire autrement que de lui répondre par la guerre. Je veux dire, on peut faire des mimis, on a essayé, on a eu, vous rappelez l'histoire de Munich, l'histoire aussi où on dit à Hitler, d'accord, tu manges la Tchécoslovaquie, mais c'est le dernier morceau. Monsieur Hitler s'est engagé, il ne va plus manger aucun pays. Il l'a promis, ça y est, c'est fait, on a arrêté la guerre. Et Churchill avait répondu la fameuse phrase, vous aurez la guerre et vous aurez le déshonneur. De fait, un an plus tard, il attaque la Pologne. Bon, quelqu'un qui dirait, la guerre est un mal en soi, et donc, je ne ferai pas la guerre à Hitler. Eh bien, cette personne-là, elle est complètement irréaliste. Je dirais que d'ailleurs, elle n'aura pas le temps de se rendre compte parce qu'elle serait finie, elle aurait fini sa vie dans les fours crématoires en général. Parce que Hitler, vous savez, il aurait éliminé tous les Slaves qu'il détestait. Puis après, il serait peut-être attaqué au sang impur chez les Français. Par exemple, les Gaulois, ce n'est pas vraiment des Germaniques. Enfin, on ne sait pas. Toujours est-il que, voilà, là, on voit bien que la guerre est en soi universellement un mal et que il fallait faire la guerre à Hitler. Le pape Pie XII de l'époque, lui, il regarde les deux monstres de l'époque, il les connaît parfaitement. Hitler, qu'il a dénoncé dans une encyclique, qu'il a écrit lui-même, et que le pape Pie XI a publié en 1938, une encyclique en allemand, où le nazisme est condamné, mit Brennendersorge, donc il connaît bien. Et il connaît le communisme, il a publié aussi une encyclique sur le communisme, et pourtant, il prend parti, secrètement, pour Staline. Il prévient Staline que l'opération Barbarossa va avoir lieu et Staline ne va pas croire le pape. Donc il choisit, prudentiellement, un monstre par rapport à un autre qu'il est plus urgent de battre. Est-ce que le pape là-dessus, Pie XII, il était infaillible dans son choix? Pas du tout. Il a fait un choix extrêmement risqué. Si jamais, Hitler avait gagné, peut-être qu'actuellement, tout le monde dirait que le pape était communiste. De fait, Hitler a perdu, puis le communisme s'est écroulé, et personne n'a été reconnaissant à Pie XII. Au contraire, on l'a traîné dans la saleté. Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, je vais vous raconter un cas particulier qui rentre sur le domaine de la conscience. Donc je sors des cas généraux. C'est le cas de la guerre au Rwanda. C'est une affaire qui a eu tout un retentissement énorme au Canada. Pourquoi? Parce qu'il y avait un général, le général canadien, c'est le lieutenant général canadien Dallaire, Roméo Dallaire, qui était, à l'époque de la guerre au Rwanda, donc je crois que c'est en 1993, responsable de la force de l'ONU, la MINUAR, qui était chargée, évidemment, d'empêcher un massacre entre Tutsi et Hutu. Alors, il commence à voir des massacres. Vous savez, au départ, ce sont des soldats belges qui sont tués, donc 10 soldats belges, du coup les pays rapatrient leurs soldats, un peu effrayés.
Il ne reste plus que les forces de l'ONU, mais qui ont quand même des armes. Attention, en face, ceux qui assassinent, ils ont des machettes. Et il s'avère que j'ai rencontré un jour, dans le métro du côté de Mons, là où est justement l'OTAN, un colonel qui était avec le général en question, qui m'a raconté ceci. À un moment donné, ils étaient là, avec leur casque bleu, et ils voient sortir d'une forêt des dizaines d'adolescents, des jeunes filles en particulier, dont certaines n'avaient plus de mains, poursuivies par des tueurs, qui étaient des Hutus, je crois. Hein. Faut pas que je me trompe de peuple, mais je crois que c'est les Tutsis qui ont été tués. Et alors, ils pouvaient en une seconde arrêter les choses. Seulement, il y avait des chaînes d'ordre. Il fallait téléphoner au niveau de Washington, qui réfléchissait, qui faisait une réunion, etc. Puis à ce moment-là, l'ordre de tirer donnait. L'ordre formel, c'était de ne tirer que pour défendre sa vie. Et l'ordre n'est jamais venu. Et ils ont vu cette école, ce collège, massacré devant eux. Le général, Dallaire, lui, il en a fait une dépression. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. On l'a retrouvé un jour sur un banc du côté du Canada. Il avait bu, il avait pris des médicaments. Vous vous rendez compte, un général, il avait monté de poste, etc. Il a fini par écrire un livre qu'il a intitulé J'ai serré la main au diable. Il dit dedans qu'il est damné. Pourquoi ? Parce qu'il a obéi à des ordres. Des ordres de gens qui avaient des principes universels. Donc il faut les laisser, c'est un peuple. On n'est pas, des gens qui faisaient de la colonisation. C'est une petite guerre entre eux. Et résultat, il y a 800 000 morts qu'il a vus de ses yeux. Il n'a pas levé la main. Et personne n'a levé la main. Il aurait suffi que 1000 hommes se séparent des ordres de l'ONU et décident d'arrêter cette guerre. Il n'y avait pas de massacre. Il le sait très bien. Ils avaient suffisamment d'armes. Donc ça montre quoi, ça encore? Que quand on est dans les principes universels et qu'on refuse sur le terrain d'appliquer les principes moraux que demande, on pourrait dire, Dieu, c'est-à-dire le bien, sauver les vies innocentes. Et donc là, forcément, tuer. Il fallait tuer quelques-uns des tueurs. Les autres se seraient sauvés, hein. Eh bien, on se le reproche toute sa vie. On ne peut plus vivre, quoi. On a un poids sur la conscience monstrueux. Vous auriez fait quoi, Sandra, par rapport à cela? Par rapport, si vous aviez été responsable de cette force? Difficile à dire, encore une fois, je ne suis pas militaire. C'est vrai que j'avais entendu dire que les soldats de l'ONU, en tant que casque bleu, n'ont pas le droit de tirer. Alors, ils se sont tirés dessus et puis ils ont des balles en Vietnam et ils n'ont pas le droit de... Alors ça avait été changé justement. Les règles avaient été changées après cette histoire-là, donc ils avaient le droit quand même de se défendre. Ça c'était un minimum, sinon ça devenait des pigeons bleus, comme le disaient les gens. Mais c'est vrai que moi j'ai sous les yeux ce que tu as pu dire, donc justement, le Roméo Dallaire. C'est vrai que quand on voit le résultat, alors est-ce que sur le moment, est-ce que ces hommes ont pu mesurer le résultat de l'absence de décision générale? Non, ils ne pouvaient pas mesurer les 800 000 morts, mais ils pouvaient mesurer cette école-là. Et puis, des hommes leur envoyaient des rapports en disant « là-bas, machette, là-bas, machette », et donc dans le pays entier. Et lui a de ses yeux vu ces jeunes adolescentes, dont une qui lui reste en image, qui n'avait plus de main, et qui criait « à l'aide, à l'aide, à l'aide », et qui courait vers eux, et ils ne l'ont pas aidé. Et vous auriez perdu votre poste et votre carrière, et vous auriez bien fait. Parce que vous auriez hérité de ça, c'est ce qu'il dit, de la vie éternelle, quitte à perdre son poste. Mais il fallait le faire, absolument. Voilà, j'ai désespéré de ce qu'il a pu confier à la presse. En 2000, il a dit « Je vis la culpabilité d'un commandant qui a vu sa mission ne pas aboutir à un succès. Je vis aussi avec cette culpabilité vis-à-vis des Rwandais à qui on a donné l'espoir du succès de leur projet de paix et qui, ultimement, se sont fait massacrer en nous regardant avec des yeux d'incompréhension pendant que nous étions impuissants à faire quelque chose. Il est normal pour un commandant de se poser des questions, de se dire « peut-être que j'ai argumenté et je n'ai pas convaincu, peut-être que je n'ai pas utilisé les bonnes méthodes ». Et en 2003, il disait « 800 000 personnes mortes sont mortes au printemps 1914 et personne n'a bougé ». 2 900 personnes ont disparu à Manhattan le 11 septembre 2001 et Bush a mobilisé le monde entier. Voyez-vous, j'ai du mal avec ça.
Ah oui, tout à fait. Et c'est un homme de conscience, évidemment, hein. C'est formidable de voir une telle réaction qui d'ailleurs a fait bouger l'ONU, mais malheureusement pas assez. Toujours pareil, pour la même raison, cette dichotomie entre les principes universels, donc obéir aux ordres. Mais comme vous disiez très justement, Sandra, obéir aux ordres. Les nazis ont obéi aux ordres. Ils avaient le même genre d'argument. Donc obéir aux ordres pour l'ONU, et puis laisser faire un génocide, ou alors agir en conscience, selon le bien, selon les circonstances de terrain. Mais en sachant que malgré tout, le militaire, il est soumis à des ordres supérieurs, parce que le général en chef, lui, il a la vision de tout le champ de bataille. Donc on ne peut pas désobéir tout le temps. Mais en l'occurrence ici, visiblement, il ne faisait rien, il pouvait agir. C'était immédiat, c'était sur le terrain, et ils ont raisonné. Donc ils n'ont pas eu la prudence, la vertu de prudence n'était pas développée. Ils étaient trop dans le théorique, un peu comme je le reprochais tout à l'heure à Michel Alliot-Marie. Voilà ce que je dirais. Donc, je vais inviter nos auditeurs à réagir d'ici la prochaine émission en nous appelant au 09 70 80 99 65. Dans ce cas-là, vous faites le choix numéro 2 pour joindre la production. Vous précisez bien qu'il s'agit d'une question pour l'émission Introduction à la morale chrétienne et vous pouvez également réagir sur Internet, sur le podcast. Arnaud Dimouche, merci beaucoup. Merci Sandra et merci d'avoir si bien répondu à ces tas de pièges que je vous ai tendus, hein. À mercredi, au revoir.